pour améliorer la compréhension proactive et stratégique des besoins de l'élève. Malgré les faits à distance, on a pu travailler en étroite collaboration avec le personnel d'accompagnement psychosocial. Nous avons, entre autres, changé notre modèle d'études de cas pour nourrir des dossiers d'élèves le plus pertinemment possible. Par exemple, avant, on n'avait pas ça, mais maintenant, on dresse une liste des moyens pédagogiques qui ont été essayés avec les enseignants dans toutes les matières afin de voir qu'est-ce qui est possible par la suite de faire avec, d'essayer avec l'élève, par exemple. En plus, avec l'intermédiaire d'équipe team qui inclut les élèves de tout le centre, les intervenants ont la possibilité de communiquer plus efficacement les messages d'intérêt général. On a une équipe qui, comme je disais, toutes les élèves sont là, donc quand on a besoin d'intervenir avec eux, ils sont capables aussi d'intervenir avec nous, de procéder à des demandes via des équipes spécifiques dans Team qui dirigent les élèves vers des interventions psychosociales où est-ce que le support est plus évident pour eux. On a aussi fait une semaine thématique sur le mieux-être. Donc, autant en ligne qu'en présentiel parce qu'on est en mode hybride pour l'instant, avec l'intention d'outiller les élèves sur les bonnes stratégies pour optimiser l'expérience de formation à distance. Des ateliers, par exemple, sur le stress, des cours de yoga, des conférences sur le bien-être du rire. On faisait des points de rencontre dans la semaine, même avec les élèves à distance, où est-ce qu'on les invitait à prendre une marche. Souvent, ça permet de prendre un contact plus étroit avec l'élève, puis de briser les barrières. Ça permet à l'élève de s'ouvrir, d'enlever une certaine gêne, puis il devient plus ouvert à demander des services. Une fois qu'il demande des services, comme je disais, on a changé notre modèle d'étude de cas, on est capable de dresser des listes des moyens qu'on a entrepris, autant au niveau pédagogique, oui, mais au niveau psychosocial aussi. Puis on a un portrait d'élève plus complet.